مناسب نیست در خصوص مدیریت هنری این کتاب و اینکه چگونه این کتاب کتاب متفاوتی باشه از جهت هنری در ساختار خودش نقش به سزایی داشتند. هدفم از تحقیق و تألیف این کتاب شناساندن نخبگان ایرانی و پرآوازه های گمنام ایرانی به جهان فرهنگی و فرهنگ جهانی ایرانیان بوده است که فرمود قرض نقشی است که از ما باز ماند. من بخش دومی عرایزم داره با عنوان تبادل فرهنگی بین تهران و پاریس در حوزه‌های مختلف که نمیدانم شما چه بدید به ذهن بنده، آیا خبر وقفه ایجاد کنم یا پدر؟ اگر جناب آقای مایلی میخوان که به فرانسه متنش رو بگن بعد Je fais un petit exposé pour présenter mon maître retraité, maître Hossein Bezod. Mais avant ça, avant cet exposé, je préfère terminer et continuer le fameux poème de Malekou Joaro Ebor, le grand poète et académicien persan en iranien, en persan. ملک شعرا فرمونده در مورد بهزاد، خداوند هنر استاد بهزاد که نقش از خامه بهزاد بهزاد، حسین راد کش بهزاد نام است، کمال دین بهزادش خلام. اگر او بود نخست این است اول، وگر او بود کمال این است اکمل. به انگامیزی از خورشید پیش است، به معنی آفتاب اصل خویش است. به صورت شادی و غم می نماید، غم و شادی مجسم می نماید. به سحرانگیزی کلک گوهرخیز، به بوی جان دهد رنگ دلا. خداوند نگارین خانه مالی است، ولی کن بنده بهزاد نیست. منوهر پیش این استاد باری خجل گردد به ترگوری زکاری، زرش که کلک زرش که کلک مون سیه روش، رضای اسمانی شد سیه. زسان خانه چینی نمودش فرستد، فرخ چینی درودش، رفایی در به اصلش زنده گردد، بله اون کلک خوبه بنده گردد. من هرچه در سخن هستم مسلم، حبسبش آجزم و الله و عالم. بها هم در سخن گردار داده است، کلامش از دل بهزاد زنده است. Et maintenant, je commence mon exposé en français. Je fais un peu d'exposé sur la vie et la démarche de mon maître regretté, Hossein Bezod. Hossein Bezod est le plus célèbre miniaturiste du XXe siècle d'Iran, est né en 1894 à Téhéran. Mais je dois rajouter que Hossein Bezod miniature faisait partie de son nom de famille. Son père, fabricant et peintre de plumiers, ayant découvert le talent de son fils, le confia à un de ses amis nommé Molla Ali Ghalamdan Shahs à l'âge de 7 ans.
Behzad avait à peine commencé l'apprentissage quand son père et son maître ont été victimes de choléra. La mère se remarie, laissant le jeune apprenti plus que jamais seul et sans ressources. Le beau-père, dur et jaloux à son égard, avait aussi détourné l'attention de la maître. Et ça, c'est toujours, à chaque fois que je voyais, on allait, quelqu'un venait chez les autres, elle racontait cette histoire. Et toujours, il se plaignait de sa mère. Et peut-être c'était à cause de ça qu'il, quand il voyait les gens qui ont envie de faire des études ou de faire l'apprentissage de la bateau chez lui, il le recevait à bras ouverts. Malgré toutes ces difficultés, Behzad continuait l'apprentissage chez l'élève le plus âgé et plus compétent de son maître, Mirza Hassan Vikafigor, pendant 12 ans. Durant cet apprentissage, il arrivait si bien à imiter les styles de Behzad du 15e et Reza aussi du 17e siècle qu'il était impossible de différencier ses œuvres de celles des maîtres précédents. C'est pourquoi ses œuvres en question furent souvent vendues par des antiquaires aux collectionneurs étrangers passionné par le raffinement de l'art persan et en le faisant passer pour des œuvres anciennes. À 22 ans, atteint d'une maladie grave, il n'était plus capable d'assurer sa responsabilité professionnelle et sa situation matérielle se dégrada. Le hasard a voulu qu'il rencontre Foto Saltané, qui se chargea de le soigner et de devenir son mécène et commanditaire. Pour lui, il avait illustré un pur manuscrit de cinq poèmes de mes amis qui fut vendu dans un marché londonien à un prix très élevé. Sa première tentative de voyage en Europe, en compagnie de Foto Saltané, avait échoué et de retour à Téhéran, il s'installe à nouveau dans son atelier de Shamsoneroy. Plus tard, Behzad rencontre un homme de goût qui était au service d'une mission américaine en Iran, Abdullah Khan Rahimi, devient son vrai mécène. Pendant 7 ans, il achète ses œuvres et lui consacre plusieurs expositions dans ces années-là, et Behzad était vraiment lancé. Vers 1930, il est recherché par un autre collectionneur et antiquaire iranien d'origine juive nommé Rabbeinu, qui 4 ans plus tard lui fit découvrir l'Europe et ils débarquent à Paris ensemble. Behzad était toujours au service de son nouveau mécène et passait le reste de son temps à visiter les chefs-d'œuvre de l'Occident dans les musées de Paris. C'est en s'inspirant de certaines traditions picturales européennes qu'il parvient à faire évoluer la miniature persane. En 1937, par la tentation d'un Iranien riche et cultivé, Hassan Ali Khan Espagnoli, Behzad s'investit dans l'illustration des poèmes de Mar Khayyam, poète et astronome persan du Xe siècle. Ses œuvres ont été exposées en 1957 à New York et à Washington. En 1945, pour célébrer le millénaire d'Avicenne,
Les orientalistes des quatre coins du monde furent invités à Téhéran et profitant de cette occasion, un ami de Behzad, Ali Jalali, proche du gouvernement, organisa une grande exposition de ses œuvres au Musée national de Téhéran, Iran Bostan, qui fut visitée par la quasi-totalité des invités. Suite à cette exposition, Behzad est invité par le gouvernement français afin d'exposer au musée d'art moderne de la ville de Paris, inauguré par